Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne Mohamed Moumaris. Dans cette 8e vidéo de notre série sur les institutions de la République française, nous allons plonger dans le cœur du système législatif français, le Parlement et son système bicaméral. Comprendre le rôle et le fonctionnement du Parlement est essentiel pour saisir la gouvernance de la France. Le Parlement français est composé de deux chambres distinctes, l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous allons explorer leurs rôles respectifs, leurs pouvoirs législatifs, et comment ils travaillent ensemble pour élaborer et adopter des lois, l'Assemblée nationale et la chambre basse du Parlement. Nous allons plonger dans son fonctionnement, son mode de scrutin, et son rôle dans la représentation directe du peuple français. Les députés jouent un rôle clé dans la création de la législation et le contrôle du gouvernement, le Sénat, quant à lui, est la chambre haute du Parlement. Nous expliquerons comment les sénateurs sont élus, leur fonction de représentation territoriale, et leur rôle dans l'examen minutieux de la législation. Le Sénat joue un rôle important dans le contrôle de la constitutionnalité des lois. Voilà, nous avons exploré en détail le Parlement français et son système bicaméral. Comprendre le rôle de l'Assemblée nationale et du Sénat est essentiel pour comprendre le processus législatif en France et le contrôle de l'exécutif. Dans les prochains épisodes de notre série, nous plongerons dans d'autres institutions clés de la République française. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager vos réflexions dans les commentaires. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à bientôt pour la prochaine étape de notre exploration des institutions de la République française. À bientôt.